Bonsoir à tous. Oh, pardon. Donc, je suis Narendra Das, je suis médecin en Ayurveda. J'ai fait mes études en Inde pendant 6 années en université. Donc, je suis diplômé comme les médecins indiens. J'ai vécu dans le Gujarat pendant 6 années. Et j'ai pris une formation académique et une formation traditionnelle. Une formation académique donc, dans le Gujarat et une formation un peu plus traditionnelle dans le Kerala. Il faut savoir qu'en Inde, l'éducation passe par 2 méthodes. La méthode traditionnelle, qu'on appelle le Guru Shishya Parampara, c'est-à-dire une transmission de maître à élève qui a tendance à disparaître de plus en plus. Et puis, une méthode à l'occidentale, c'est-à-dire une méthode à l'université, sur les bancs de l'université. Et il faut savoir qu'en Inde, l'Ayurveda a ses propres universités, comme il y a des universités de médecine allopathique, et ses propres hôpitaux. Donc, j'ai appris et exercé à Jamnagar, qui est une petite ville de la côte du Gujarat, et dans une université gouvernementale, c'est-à-dire que les soins étaient gratuits. Donc il y a un système de soins en Ayurveda, et ce système est gratuit, c'est-à-dire que les patients viennent à l'hôpital, ils ont des plantes gratuitement, une consultation gratuite, et certaines opérations, le peu d'opérations chirurgicales qui restent encore en Ayurveda en exercice aujourd'hui, sont aussi gratuites. Donc ce soir, je vais essayer de vous présenter en une petite heure et demie, l'Ayurveda, et surtout sa connexion au yoga en tant que discipline, mais surtout de ce qu'on appelle l'état du yoga. Parce que bien souvent, on oublie que le yoga, avant d'être une discipline, avant ce qu'on appelle l'ashtanga yoga, avec le yama, niyama, les asanas, pranayama, avant d'être une série d'exercices, une discipline de corps et de l'esprit, c'est un état. C'est un état de conscience modifié par les pratiques du yoga qui amène à un état. Et on va voir que dans cet état, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et on va essayer de, je vais essayer de vous montrer que l'Ayurveda, en fait, est une sorte de yoga. Donc pour ça, on va déjà essayer de maîtriser un vocabulaire. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une science en Inde, il faut savoir qu'il y a un vocabulaire. Bien souvent, on a les limitations du sanskrit. Et je vais essayer d'être le plus pédagogue ce soir possible pour pouvoir vous communiquer ce que j'ai à vous communiquer. Donc il faut savoir que le yoga et l'Ayurveda ont évolué depuis plusieurs milliers d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Inde, mais aussi l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh. Ce n'est pas parce que ces sciences ont évolué en Inde qu'elles sont indiennes. On va voir qu'au-delà du fait que tout ça est né en Inde, c'est une science, un art de vivre qui est universel, qui se calque sur des lois, qui sont des lois de la nature, et que ça, qu'on soit indien, qu'on soit français, qu'on soit russe, qu'on soit un Esquimau ou un indien de la forêt vierge en Amazonie, ces lois s'appliquent pour tout le monde. Si je lâche ça tombe. C'est une loi de la nature, ça s'appelle la gravité. Vous soyez n'importe où dans le monde, qui que vous soyez, ça va être la même chose pour tout le monde. Donc il faut savoir qu'en yoga et en Ayurveda, il y a un certain langage. Ce langage, je l'ai très simplifié sur ce petit schéma, où on va avoir bien sûr les fameux 3 doshas. Donc ce sont des énergies physio-pathologiques. C'est ce qui va nous parler, c'est cette notion de terrain, cette notion humorale qui caractérise les êtres, mais aussi leur manière de dialoguer avec leur environnement. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Et puis, on va parler de rajas, tamas et sattva, qui sont des attributs, bien sûr, qu'on retrouve dans l'Ayurveda, mais qui sont surtout discutés dans les textes du yoga.
Rajas, tamas et sattva sont des forces qui résident dans les objets, dans les substances du monde, et qui nous permettent un certain type d'expérience. C'est-à-dire que ce langage de rajas, tamas et sattva font partie du domaine de l'expérience. Le langage de vata, pitta et kapha font partie du domaine de l'expérience. Vata, pitta, kapha va nous parler de quelque chose de somatique et de psychologique, alors que sattva, rajas et tamas vont nous parler de quelque chose de force plutôt mentale, psychologique, qui vont se rapporter bien sûr au corps à un certain point. Donc tout ça pour dire que ce langage-là est un langage commun, un langage que parle le yoga et l'ayurveda. On va dire que le yoga est cette porte d'entrée sur l'esprit et que par effet rebond, par effet secondaire, va y avoir des effets sur le corps. Alors que l'ayurveda va prendre cette porte d'entrée sur le corps et avoir un effet sur votre santé, hein, sur votre biologie, mais elle va avoir par effet rebond et comme effet secondaire d'avoir un effet sur le mental et sur l'esprit. Donc, qu'on prenne l'un ou l'autre, la finalité est la même. Et cette finalité, on l'appelle Svastha. En sanskrit, Stha, c'est le lieu, c'est l'endroit. Sva, c'est le soi. Donc, Svastha, ça veut dire être dans le soi. Et en sanskrit, Svastha veut dire la santé. Donc, la santé, ça veut dire être avec le soi. Et pour être avec le soi, le yoga comme l'ayurveda ont créé leur grille de lecture des lois de la nature. Et sur cette grille, ils ont posé ces six entités, vata, pitta, kapha, rajas, tamas et sattva. Donc dans cette conférence, je vais essayer de montrer que le yoga et l'ayurveda n'ont jamais été séparés et surtout, elles ont une origine commune. Donc on va discuter de ça. Sur les origines, on va parler de plusieurs choses. Deux points, des origines mythologiques et des origines historiques. Dans ces origines mythologiques, on a, puisque on parle là de Patanjali, d'accord ? On a pour Patanjali, qui est l'entité qui a communiqué le yoga aux hommes, on a une référence dans ce qu'on appelle la Charaka Samhita, qui est un texte ancien sur l'Ayurveda. Et dans son commentaire fait par Chakrapanidatta, qui dit en introduction que Patanjali s'est réincarné plusieurs fois sur Terre pour amener l'équilibre aux êtres humains. Et il l'a amené de trois manières, sur la parole, sur l'esprit et sur le corps. Sur la parole, il a fait un commentaire sur l'Ashta Dhyayi, qui est un recueil de sanskrit écrit par Panini, d'accord ? Et pour essayer de corriger les fautes de la parole. Pour les fautes de l'esprit, il a écrit les Yoga Sutras, les fameux Yoga Sutras de Patanjali. Et pour corriger les fautes du corps, il a créé ce qu'on appelle la Charaka Samhita. D'accord ? Donc, on a une entité mythologique, mais aussi historique, qui, par différentes incarnations, a essayé d'équilibrer l'être humain dans son ensemble. Il faut savoir qu'au niveau de l'action, qu'elle soit physique, au niveau de l'esprit, qu'elle soit au niveau de la parole, il y a une force de cause à effet qui peut créer énormément de choses. On peut créer de l'équilibre, mais peut créer aussi du déséquilibre. Donc il est normal qu'un sage, un demi-dieu, voire un dieu, pour aider les hommes, ait voulu transmettre dans trois domaines, le sanskrit, le yoga et l'ayurveda, quelque chose de durable pour l'humanité présente et future. Donc ça, c'est une première approche mythologique qui fait partager des sources originelles communes de l'Ayurveda et du yoga. Et puis, on a une histoire très intéressante. C'est une légende qui est rapportée dans le Vishnu Purana, notamment et surtout, qui s'appelle le Samudra Mantana. Samudra veut dire l'océan. Mantana veut dire le remue-ménage, on va dire. C'est le remue-ménage de l'océan.
L'histoire, en fait, est très symbolique. Sur plusieurs siècles, sur plusieurs millénaires, sur plusieurs éons, il y a toujours eu une bataille entre le bien et le mal. Entre ce qu'on appelle les Devadatta, c'est-à-dire à peu près les anges, et les démons, ce qu'on appelle les Asuras. Ils se sont toujours fait la guerre pour essayer de posséder des pouvoirs spécifiques et surtout un pouvoir sur l'esprit humain. Dans cette légende, un jour, les Asuras et les Devadatta qui n'arrivaient pas à se départager, qui n'arrivaient pas à prendre le pouvoir sur l'être humain, sont venus au pied du dieu Vishnu, donc celui qui maintient l'univers, et lui ont demandé s'il était possible d'avoir accès à ce qu'on appelle le pot d'Amrota. Amrota, c'est le nectar d'immortalité. Donc ils ont demandé, voilà, quelle serait la manière de faire sortir ce pot d'immortalité de l'océan primordial, de là où est sortie la vie, pour que l'un d'entre nous, soit les Devadatta, soit les Asuras, prenne le pouvoir sur l'autre. Elle leur dit, va falloir remuer cette mer, et pour ça, il va falloir enrouler donc le serpent Vasuki autour de cette montagne, tirer de chaque côté, créer un espèce de remous, et là, si vos efforts sont corrects, vous obtiendrez ce nectar d'immortalité. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré à droite, ils ont tiré à gauche, et puis petit à petit est sorti le dieu de la médecine ayurvédique qu'on appelle Davantari avec son pot d'Amrota. Cette histoire est un petit peu banale, mais en même temps elle retrace quelque chose d'évident. C'est une bataille qu'il y a entre chacun d'entre nous. En tant qu'être humain, on est toujours tiraillé entre ce qui peut être bon pour nous ou ce qui peut être mauvais pour nous. Et bien sûr, quand on commence à pratiquer le yoga, quand on commence à pratiquer la méditation, quand on commence à venir à l'intérieur, il va se passer plusieurs choses. Déjà, il y a un remue-ménage, c'est évident. Il y a des gens qu'on va moins voir, il y a des choses qu'on va moins faire, des choses qu'on va privilégier au niveau de notre nourriture, au niveau de notre hygiène de vie. Et on va essayer de se concentrer sur des choses un peu plus spécifiques. Et surtout, la première chose qui sort, et dans cette légende c'est rapporté, c'est ce qu'on appelle le poison, ce qu'on appelle halahala en sanskrit. Ce poison est un poison qui émane d'un effort conscient de notre être, sur notre être, et qui va bouger des habitudes, et bien souvent des mauvaises habitudes, héritées de notre culture, héritées de notre éducation, de nos schémas réactionnels, qui nous pollue et qui nous déséquilibre. D'accord ? Donc dans cette légende, ce qui est sorti en premier, c'est le poison. Avant, le nectar. Donc avant de goûter le nectar en soi, la béatitude, la paix de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont assez désagréables. Et dans cette légende, ce poison qui est sorti au niveau de l'univers risquait de tuer et menacer en fait toute la création. Du coup, Shiva, qui à l'époque n'était pas encore tout bleu, pour le salut de l'humanité, a bu ce poison en lui et l'a retenu au niveau de sa gorge. C'est pour ça qu'on l'a appelé plus tard Nila Kanta, c'est celui qui a la gorge bleue. Il a sauvé l'humanité du poison, mais il a laissé échapper de sa bouche deux gouttes de poison. Une de ces gouttes est tombée dans le règne végétal et a créé les plantes vénéneuses. Et une de ces gouttes est tombée dans le règne animal et a créé les serpents, le venin des scorpions, des araignées. Il y a une troisième goutte que j'ai oubliée qui est tombée dans le domaine des minéraux et des métaux aussi. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, dans cette légende, on a réellement, et c'est souvent ce qui se passe en fait dans les arts indiens ou dans la culture indienne, c'est que toute histoire relate quelque chose de concret, de réel. Dans cette réalité, on a la bataille dans notre propre esprit et une recherche. La recherche de quelque chose. La recherche d'un nectar, de nectar d'immortalité. Et qu'est-ce que c'est que ce nectar d'immortalité ? La connaissance.
dans la connaissance, vous êtes immortel. Et dans cette connaissance, vous êtes dans l'état du yoga, vous êtes dans l'état d'équilibre entre les asuras et les devadattas. Il y a un chemin du milieu. C'est ce que explique cette diapositive. Et dans ce chemin du milieu, le dieu de l'Ayurveda est né et a amené la science de l'Ayurveda aux êtres humains. Cette science de l'Ayurveda vous permet, vous, de savoir où vous vous situez, à un endroit donné, à un moment donné, par rapport à qui vous êtes, pour garder un équilibre. Alors, on a bien sûr cette approche mythologique, mais on a une réelle approche historique aussi. Il faut savoir que l'Ayurveda, comme les yogas d'ailleurs, comme le yoga, sont relatés et reportés dans ce qu'on appelle les Védas. Les Védas est un corpuscule de plusieurs récits qui relatent d'histoires plus ou moins détaillées, qui aussi symbolisent les batailles de l'esprit, les batailles de certains dieux, de certains personnages de la mythologie indienne, qui vont fouiller les recoins de l'esprit et à chaque fois qu'ils relatent une histoire, nous faire comprendre que nous, en tant que voyageurs sur ce chemin-là, il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous et que de ça, on peut s'inspirer. Donc ces Védas, donc il y a le Rig Veda, le Sama Veda, le Yajur Veda et l'Artava Veda. Ces quatre Védas ont donné naissance aussi à énormément de sciences. Une de ces sciences-là, c'est l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda est un Upaveda, c'est-à-dire qu'il est un sous-Veda, d'accord, qui supporte les Védas. Dans ma diapositive au-dessus, je vous ai dit que on a un point mythologique et historique. On dit que l'Ayurveda est aussi ce qu'on appelle le cinquième Veda. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le cinquième Veda parce que sans la santé, il n'y a pas de spiritualité possible. C'est impossible. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas progresser sur le chemin. Aujourd'hui, dans le monde actuel, nous sommes tellement dans l'ignorance que parfois, hélas, c'est la maladie qui va commencer à nous ouvrir à notre propre conscience. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Bien souvent, c'est quand on est acculé au pied du mur, quand on est, comment dire, quand on est dépendant d'autres personnes, qu'on est obligé de mettre un genou à terre, qu'on n'a plus toutes nos facultés, c'est à partir de ce moment-là où il y a une scission qui se passe dans nos différents corps, qu'on est obligé de se remettre en question et qu'on commence éventuellement, pas tout le temps hélas, un travail sur soi. À l'époque, ce n'était pas comme ça que ça se passait. À l'époque, la maladie était un réel obstacle à la progression spirituelle. Parce que la conscience, elle était là. Alors attention, quand je dis conscience, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une certaine conscience. On peut même être un Bouddha, mais ça n'empêche pas de tomber malade. Le Bouddha, souvent, par ses longues ascèses, méditations, avait souvent de la constipation. Ça, c'est relaté dans les traités d'Ayurveda. Et il avait un médecin, un de ses médecins, qui s'appelait Jivaka, qui est un médecin ayurvédique, qui bien souvent le traitait pour la constipation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce corps-là fait partie de cette réalité. Ce corps-là est fait de cinq éléments, on le verra un peu plus tard. Ce corps-là obéit à des lois, et ces lois sont spécifiques à cette planète, à ce niveau de conscience. On a beau être un Bouddha, on a beau avoir énormément évolué au niveau de l'esprit, ça ne veut pas dire que le corps, lui, peut tomber, enfin reste en bonne santé. Donc la conscience, c'est une chose. Le corps, c'en est autre chose. Mais en même temps, ils sont enchevêtrés l'un et l'autre pour un équilibre. Donc on ne peut pas oublier le corps. Et c'est ce que l'Ayurveda, en fait, apporte comme conscience. Donc aujourd'hui, le yoga se diffuse énormément, mais je pense, en tant que pratiquant de yoga, mais surtout en tant que médecin ayurvédique, que l'Ayurveda a tout à fait sa place avec le yoga pour entretenir ce corps. Si votre véhicule n'est pas entretenu automatiquement, votre ascension, on va dire, ou votre développement au niveau de l'esprit ne pourra pas se faire correctement. Ce n'est pas possible. Donc l'Ayurveda est un cinquième Veda.
Sans lui, l'étude même des Védas n'a aucun sens. Ne peut pas se faire, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais en fait, qu'est-ce qui précède le Véda ? Les Védas. Ce qui précède les Védas, c'est l'état du yoga. Les Védas font partie d'un corpuscule qu'on appelle la Shruti. La Shruti, c'est ce qui a été entendu, ce qui a été perçu. C'est-à-dire qu'il y a des êtres, il y a plusieurs milliers d'années, parce qu'on ne sait pas trop comment dater les Védas. Les plus anciens recueils ont 1200-1250 ans avant Jésus-Christ, mais sont certainement bien anciens. Il faut savoir que les traditions écrites en Inde sont assez récentes. Comme je vous ai dit, voilà, les traditions, c'était surtout de maître à élève, et c'était de l'oralité, ce n'était pas de l'écrit. Donc avant les Védas, il y avait des sages, ce qu'on appelle des voyants, des rishis. Okay, c'est ceux qui voient, c'est ceux qui entendent. D'accord ? Et c'est dans l'état de yoga, dans l'état de pleine conscience, qu'ils ont touché la connaissance et qu'ils ont pu saisir, qu'ils ont pu poser la connaissance sur papier ou dans l'oralité. Vous me suivez ? Donc il faut comprendre que avant tout texte sacré, il y a un effort introspectif d'un être ou de plusieurs êtres pour aller chercher la connaissance dans ce qu'on appelle Akash, c'est cette notion d'éther en fait universelle, de là où tout émane et tout revient. C'est comme une tornade. La tornade, on a vu dans les médias ces derniers temps, il y a beaucoup d'ouragans. Ces ouragans, ils viennent d'où ? Ils viennent de rien, ils sortent de nulle part, ils se créent avec des courants chauds, froids bien sûr, mais en fait ils sortent de quelque chose d'invisible, ils se matérialisent et puis ils repartent dans l'invisible. Notre travail ou la saisie même de la connaissance suit le même schéma. À un certain moment, on introspecte, on crée des états de méditation, on crée l'état du yoga et à partir de ce moment-là, on saisit des choses, des mémoires qui peuvent être dans notre propre cellule, qui peuvent être dans l'univers, mais que ce soit dans la cellule ou l'univers, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même endroit. Donc ça, on l'a très clairement écrit dans un texte qui s'appelle la Charaka Samhita, qui parle en introduction de comment les sages sont venus aller chercher l'Ayurveda, comment ils l'ont amené, comment ils l'ont saisi de l'univers, comment ils l'ont posé et comment ils ont pu la transmettre. Donc ce shloka dit la chose suivante. L'absence de maladie, donc la santé, prend racine dans le perfectionnement de la vertu, ce qu'on appelle le dharma, l'éthique, loi de la nature, les affaires du monde, artha, l'amour, kama, et la délivrance, ce qu'on appelle l'accomplissement total de l'être, qu'on appelle l'illumination ou moksha. La maladie, quant à elle, détruit cette base. Donc cette base nécessaire à votre développement, à votre construction personnelle, elle peut être détruite par la maladie. La maladie, quant à elle, détruit cette base. Le bien-être et la vie même, elle se pose en réel obstacle pour l'humain. Quel serait donc le moyen pour apaiser les maladies ? Donc ils se sont posé une question, ils se sont dit, bon, nous, on travaille sur nous-mêmes, on développe une certaine conscience. Mais aujourd'hui, ce qui nous empêche de totalement être immergés dans cet espace de connaissance, c'est la maladie. Parce que des longues ascèses, qu'on soit dans une grotte dans l'Himalaya ou qu'on soit dans une salle climatisée, au bout d'un moment, le corps ramasse quand même pas mal. D'accord ? Donc ils se sont posé cette question. Et avec cette question en tête, ils, donc les sages, les rushis, les voyants, rentrèrent en méditation et dans cet état de méditatif prirent refuge dans Indra. Qui est Indra ? Indra est le maître des Indriyas. Qu'est-ce que sont les Indriyas ? Les organes des sens. Donc ils ont pris refuge dans celui qui est au-delà des sens, au-delà de la saisie matérielle du monde. Donc c'est dans une profonde introspection qu'ils ont commencé à toucher cette connaissance qui est l'Ayurveda. Ok, donc ça c'est rapporté dans un texte. Ils ne sont pas allés toucher l'Ayurveda en développant des mantras. Ils n'ont pas fait de rituel. Ils ont
réellement utiliser une science d'introspection de l'esprit et de la matière pour aller chercher une connaissance. Et une connaissance qui est au fond de nos propres cellules, de nos propres atomes, et qui est présente dans tout l'univers. Donc ces sages, ils étaient nombreux, ces sages ont quand même leurs différentes portes d'entrée. C'est-à-dire qu'on est tous différents dans cette salle, votre manière d'approcher l'amour, votre manière d'approcher la tristesse, ou la souffrance, ou la douleur, est certainement différente. Certains vont se rabattre sur le chocolat, d'autres vont se rabattre sur les téléfilms bidons. Enfin, voilà, on a tous notre manière un petit peu de s'acclimater de tout ça. Eux, les sages, ils ont leur propre vision des choses, ce qui a été classifié dans ce qu'on appelle les darshana. Les darshana, c'est la vision, c'est la vue, c'est ce que eux-mêmes ont perçu dans un état modifié de conscience. Et ils l'ont rapporté, ils l'ont reporté dans un système qui sont devenus des systèmes philosophiques. Ces systèmes philosophiques, en fonction de la sensibilité de chacun, chacun d'entre nous, par exemple, il y en a qui font du Hatha Yoga, dans le Hatha Yoga, il y a Iyengar, il y a le Vini Yoga, il y a le Yoga Vinyasa, il y a tous ces types de yoga. En fonction de qui on est, de notre sensibilité, on va plutôt prendre une porte ou une autre. Mais la finalité reste la même dans tous les yogas. Okay, la forme est une illusion, mais en même temps, elle est un réel chemin éducatif, ludique, qui nous amène au même point. Et ce même point, c'est ce qu'on appelle le Sanatana Dharma. Dans le Sanatana Dharma, tous les sages, tous les rishis étaient d'accord que la finalité en fait, de tout ça, de toute cette recherche personnelle, amenait au même endroit. Qu'on pratique le yoga, qu'on pratique les samkhyas, qu'on pratique les tantras, qu'on pratique ce qui est inscrit dans les Upanishads, qu'on suive les enseignements du Bouddha, donc là on est dans ce qu'on appelle les Nastika Darshana, du Jain, de Charvaka, tous ces enseignements amènent exactement au même endroit, ce qu'on appelle le Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, c'est justement ce puits de connaissance qui relate des lois de la nature telles qu'elles sont et qui façonne notre monde et qui dissout notre monde à chaque instant. Donc toutes les notions d'impermanence, de souffrance, etc. Tout ce qui est rapporté dans ces darshana, la finalité, c'est le Sanatana Dharma. Et le pot d'Amruta qu'on a vu dans notre dessin tout à l'heure, ce nectar d'immortalité, il se trouve ici. Et il se trouve dans l'état du yoga. Puisque toutes ces philosophies, toutes ces gens, tous ces sages, différents sages qui ont eu différentes techniques pour arriver au même point, sont rentrés dans l'état du yoga. Et c'est dans l'état du yoga qu'ils ont eu la vision, qu'ils ont pu expliquer qu'est-ce qui s'est passé en eux, quel chemin ils ont pu développer en eux, et après pouvoir nous les transmettre sous forme d'enseignement. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? On y va tout doucement, mais on s'approche de choses un peu plus concrètes. Donc en fait, quel genre d'expérience ils ont fait ? Une première expérience qu'ils ont fait, c'est que macrocosme, microcosme, microcosme, macrocosme, exactement la même chose. Donc en sanskrit, on dit « purushoyam loka samhitam ». Loka, le monde, samhitam, égal, purusho, l'esprit. L'esprit est à l'image du monde, le monde est à l'image de l'esprit, tout simplement. Un deuxième verset sanskrit qui dit « Yata pinde tata brahmande ». Pinde, c'est un morceau. Brahmande, c'est une entité très vaste. Donc ce qu'il y a dans un morceau relate une entité beaucoup plus vaste. Mais dans cette entité plus vaste, on a exactement les mêmes lois qui animent que dans le morceau. D'accord ? Dans nos traditions plutôt européennes, dans la gnose, on a une phrase qui est tirée de la table d'émeraude qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. » C'est une autre manière d'expliquer la même chose. Donc nous, on va faire un petit exercice assez simple. Ça, je pense que tout le monde connaît. D'accord ? Et on va essayer de partir du macrocosme.
Je vais vous demander d'essayer de me dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous percevez. La terre, ok. Et sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des masses d'air qui bougent, d'accord? Donc il y a de l'eau, des masses d'air qui bougent, il y a des continents, donc il y a de la terre, d'accord? Il nous manque deux éléments. L'espace, ok, donc il y a un espace entre la Terre et la Lune, il y a un espace entre la Terre et le Soleil, et il y a le feu. Le feu est là. S'il n'y avait pas de feu, on ne pourrait pas voir la Terre et on ne pourrait pas avoir la vie qu'on a. Donc dans ce macrocosme, il y a cinq éléments. C'est la base même de l'univers. C'est la brique de construction de notre univers. Un des plus importants, c'est Akash, c'est l'espace. Vous vous rendez compte quand même que l'exacte mesure de notre distance par rapport au Soleil et par rapport à la Lune nous permet quand même d'avoir une atmosphère. Il suffit qu'on s'éloigne un petit peu sur un pôle sud ou un pôle nord, ou il suffit qu'on monte un peu en altitude, qu'on aille en haut de l'Everest, et dès ça, les conditions de la vie sont moins possibles. C'est moins évident. Donc on est dans un espace très très restreint, divinement calculé, pour que la vie puisse être. D'accord ? Donc ça, je le développe un petit peu, parce que la notion d'éther, la notion d'espace, généralement, n'est pas bien cernée. Mais elle a son importance. Et qu'est-ce qu'ils sont aperçus, ces sages, en méditation ? Quand ils étaient en tailleur, dans une grotte ou ailleurs d'ailleurs, et qu'ils ont commencé à introspecter l'esprit et la matière, ils ont disséqué la réalité encore et encore, encore et encore, jusqu'à arriver à une particule indissécable, indivisible, qu'on appelle Kalapa, qu'on appelle aussi Anubhuta. Et cette particule, ils sont aperçus qu'elle était faite de cinq éléments. Espace, Akash, air, Vayu, feu, Tejas, terre, Prithvi et Jala pour l'eau. Cette molécule-là, pour eux, c'était leur tableau de classification périodique des éléments. Le même que nous, on a aujourd'hui, ce fameux tableau de Mendeleïev, qui classifie tous les éléments. Le cuivre, le fer, le néon, etc., etc. Sauf que ici, on a une analyse chimique sans nécessairement de la conscience, puisque c'est grâce à des expériences en laboratoire qu'on a pu classifier, même si Mendeleïev était très très intuitif et avait classifié avant tout le monde quelque chose qui s'est apparu être vrai plus tard. D'ailleurs, on se demande toujours comment il a été inspiré pour mettre en place ce tableau. Bon, bref, aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que c'est notre manière de classer les éléments, c'est de classer les substances. Alors que nos sages-là avaient leur manière très particulière de classer les éléments. Mais ici, on est en science, en conscience, puisqu'ils ont fait réellement l'expérience de ces éléments-là. D'accord ? Et pour ça, il y a cette notion de qualité. Parce que comment on fait pour faire l'expérience de l'eau, du feu, de la terre ? On est obligé de passer par leur qualité. Ce n'est pas en voyant un verre d'eau que vous disiez « Ah oui, ça c'est l'eau ». Vous buvez l'eau et il y a certaines qualités. Il y a du froid, il y a de la liquidité, il y a du léger, il y a du lourd, il y a du chaud, il y a du subtil, il y a du pénétrant. C'est seulement par les qualités, c'est les qualités mêmes qui nous permettent, en tant qu'être sensible, d'intégrer la réalité telle qu'elle est. D'accord ? Donc dans ces éléments périodiques, ici, si on vous dit « faites l'expérience du cuivre », vous allez faire quoi ? Pas grand-chose. Alors que si on vous dit que si on met ce petit schéma ici, on le met dans la case du cuivre, puisque c'est ce qui est le cas, on va voir que dans le cuivre, par exemple, il va y avoir peu d'éléments eau, un peu plus d'éléments terre, un tout petit peu moins d'éléments air, encore moins d'éléments éther, peut-être un peu plus d'éléments feu. Et de fait, de la conjonction et de la proportion, de la dynamique des éléments entre eux, on va avoir le cuivre. Pour une autre molécule, ça sera différent. Donc en fait, il faut comprendre que ce petit tableau qui a l'air très simpliste, en fait, se met dans chaque case. Et en fonction des proportions des éléments entre eux, on va avoir une dynamique dans une substance
qui va avoir certaines qualités, certaines propriétés chimiques, thermiques, calorifères, calorifiques, etc. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Oui ? Bon. Donc en fait, ils ont compris que dans par leur propre introspection, la manière dont ils ont saisi la réalité par les qualités qu'ils expérimentaient au fin fond de leurs cellules, ils ont compris qu'il y avait une dynamique et que cette dynamique dans le corps humain, on pouvait la classer en trois forces, Vata, Pitta et Kapha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand les éléments se conjuguent les uns avec les autres, automatiquement il y a un dynamisme, puisque dans ces éléments, il va y avoir des qualités qui vont s'attirer et des qualités qui vont s'opposer. Ce jeu d'attraction et de répulsion au sein même de la matière crée des forces. Ces forces-là, en présence de l'esprit, on les appelle Vata, Pitta, Kapha. Ce sont des forces physiopathologiques, c'est-à-dire qu'en équilibre, elles maintiennent la bonne santé, en déséquilibre, elles vont la détruire. Est-ce que vous me suivez toujours ? Donc il faut savoir que nous, notre anatomie, notre constitution même est faite de 5 éléments, c'est nos briques de construction, et la dynamique qui s'insère dans ces briques de construction et la manière dont elles dialoguent entre elles vont créer des forces, ce qui va donner notre physiologie, qui sont les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, à la naissance, reçoit une constitution. Et cette constitution, elle est la somme de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est notre karma, d'accord ? Qui on a été dans d'autres vies. Ça va nous donner une certaine prédisposition. Notre génétique, c'est-à-dire la qualité, la proportion des éléments dans le gamète mâle et le gamète femelle au moment de la conception, la nourriture de la mère pendant sa grossesse, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel et mental, la quantité de dosha dans le système reproducteur de la femme, tout ça va déterminer un être particulier. Et chacun d'entre nous dans cette salle a une constitution qui lui est particulière. Qu'est-ce que veut dire cette constitution ? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème en soi d'être soit Vata ou Pitta Kapha. C'est un état d'équilibre. C'est la manière dont la nature a étalonné sa créature. En tant que créature, vous êtes étalonné d'une certaine manière. Et de la manière où vous êtes étalonné, vous dialoguez avec votre environnement, vous dialoguez avec la vie d'une certaine manière. Et de comprendre ça, c'est fondamental. L'Ayurveda est un outil de connaissance personnelle. En connaissant votre constitution, ça vous permet de comprendre comment vous agissez dans votre vie, comment vous dialoguez avec votre environnement et quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour rester dans cet équilibre. Est-ce que vous me suivez ? Oui ? Bon. Donc on va explorer ça sur les diapositives qui suivent. On va explorer Vata, Pitta, Kapha pour que vous ayez un petit peu une notion et de comprendre un petit peu tout ça. Donc le premier dosha qu'on va explorer, c'est Vata. Vata, on a vu, Vata est ce paradigme entre l'élément air et espace. Donc il y a une qualité de mouvement, une qualité de communication, une qualité d'échange dans le système nerveux par exemple, dans le système circulatoire, dans les places des organes. D'accord, si on met l'estomac à la fin et le côlon au début, on ne va pas digérer pareil. Donc la question d'espace, des organes, la question aussi de position des organes, des systèmes entre eux, est très importante. Et ça, c'est Vata qui le donne. Ce Vata, bien sûr, du fait que c'est le paradigme entre l'élément air et espace, il a plusieurs qualités, le froid, le léger, le sec, le rugueux, le subtil, d'accord ? Toutes ces qualités vont caractériser Vata. Et pour ça, les acharyas, c'est-à-dire les maîtres en Ayurveda d'antan, ont souvent donné la symbolique d'animaux. Et là, on a trois animaux.
on a trois espèces d'animaux, on a le vautour, le chacal et la chèvre. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise ces animaux ? Qu'est-ce qui semble assez commun, en fait, à ces trois animaux ? Est-ce que, par exemple, c'est des animaux qu'on va retrouver en pleine forêt vierge, en Amazonie ? Non, hein ? C'est plutôt des animaux qu'on trouve où ? Ok, sur quelque chose de semi-aride, hein ? Le Sahel ou même en montagne, pourquoi pas ? Hein ? Sur des milieux assez secs. Donc automatiquement, ces animaux portent l'empreinte de leur environnement sur leur constitution, sur leur manière même de se déplacer, de se nourrir, d'être tout simplement. Par rapport à quoi ? Ces qualités. Rappelez-vous, les qualités sont fondamentales. La manière dont on fait l'expérience de la vie, c'est au travers des qualités. Et ces qualités, froid, léger, sec, rugueux, subtil, mobile, vont donner des caractéristiques sur des espèces qui s'épanouissent, qui sont faites pour un environnement particulier. Donc on a beaucoup de sécheresse chez la chèvre, chez le chacal ou chez le vautour. On a aussi beaucoup d'irrégularités quand ils marchent. D'accord ? C'est tantôt rapide, tantôt lent. C'est un peu qu'un cas, comme ça. Sur même les produits, c'est-à-dire sur la chair de ces animaux, on va retrouver ces qualités-là. Et si on retrouve ces qualités-là automatiquement, en mangeant la chair de ces animaux, on va aggraver Vata Dosha. D'accord ? Puisque les similaires s'augmentent. Ceux qui s'opposent diminuent. Si vous êtes brûlé le doigt, vous allez mettre quelque chose de chaud sous le froid pour opposer une qualité à une autre. Tout ça, c'est la dynamique qui se retrouve dans l'Ayurveda. D'accord ? Et là, on va voir par exemple le lait de chèvre va rien avoir avec le lait de vache. Pourquoi ? La vache est totalement dilatée, d'accord ? C'est quelque chose de très onctueux, on va le voir avec Kapha. Donc la qualité du lait va être différente. Si vous prenez une tome de vache ou une tome de chèvre, au niveau de la digestion, ça ne va absolument pas être pareil. D'accord ? Donc tout ça pour vous faire comprendre quoi ? Que dans la dynamique du dosha, il y a des qualités qui caractérise des êtres, des individus, donc ça peut être des animaux, mais ça peut être des êtres humains. Okay, donc là, je vous ai choisi Louis de Funès, non pas strictement pour sa constitution, mais plutôt pour son jeu d'acteur, pour comprendre que dans son jeu d'acteur, il était très sec, très mobile, il bougeait beaucoup, c'était très irrégulier, c'était tout lui, en fait. Hein, et lui, sur son corps, il porte les caractéristiques de Vata. Beaucoup de sécheresse dans le visage, beaucoup de lignes, beaucoup de marques, d'accord ? Et toutes ces caractéristiques qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de Vata dans leur constitution ont tendance à être soit petits, soit bien grands, allongés, avec une certaine asymétrie, une hanche plus haute que l'autre, un œil un peu plus bas que l'autre. Ça fait partie des qualités que porte Vata, d'accord ? N'aiment pas le contact du froid, ont les paumes des mains et des plantes des pieds se fissurent facilement, surtout quand Vata s'aggrave dans l'atmosphère, c'est-à-dire en hiver par exemple. D'accord ? Donc toutes ces tendances-là sont les caractéristiques de Vata Dosha. C'est-à-dire que vous, si vous êtes assez attentif, vous êtes capable, avec le peu de choses que je vous donne, de comprendre qu'est-ce que c'est Vata Dosha et qu'est-ce qui va augmenter Vata dans votre vie. Si vous allez prendre alors du fromage de chèvre, par exemple, si vous mangez ce genre de viande, bon, bah, aujourd'hui, on n'en mange plus trop, mais si vous allez vers des plantes qui sont trop sèches, des aliments qui sont trop secs, froids, genre les crudités, par exemple, la carotte râpée, la betterave râpée, tous ces aliments-là vont avoir une tendance à aggraver Vata Dosha. Et généralement, quand certaines personnes mangent trop de crudités, on a souvent un assèchement de la personne, la peau qui devient sèche, on a souvent des ballonnements, la création d'air aussi dans le ventre. Tout ça montre que Vata s'aggrave. Et il s'aggrave pourquoi ? Parce que les aliments qu'on a pris, l'environnement autour de nous, comportent ces qualités-là et vont augmenter cette force biologique à l'intérieur de nous. Est-ce que vous me suivez ? Allez, on passe à Pitta Dosha. Sur Pitta Dosha, on est sur une autre dynamique. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu sur la diapositive, Pitta, c'est ce paradigme entre
l'eau et le feu. Le feu ne peut pas exister en tant que tel dans le corps. Il lui faut un véhicule. Il lui faut de l'eau. Chez nous, les sucs digestifs, c'est-à-dire les sucs pancréatiques, les sucs biliaires, les sucs stomacales, sont une bonne, sont un bon témoin de ce que peut être Pitta. Pitta, c'est cette force de transformation qui transforme les choses, qu'on retrouve dans la digestion, qu'on retrouve aussi dans l'organe des sens, notre manière d'absorber les choses de la vie et de les transformer. Et on va retrouver des qualités qui correspondent à l'eau et au feu, et à la somme des deux, le chaud, le pénétrant, le léger, le légèrement huileux, le fluide, le liquide, l'acide, le piquant. Tout ça caractérise Pitta. Donc automatiquement, on va trouver dans les caractéristiques des animaux de ces qualités-là. Donc là, on a un chat, on a un ours et on a un singe. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces animaux, selon vous ? Pardon ? Près des arbres, oui. Surtout, c'est des animaux qui digèrent, qui sont capables de digérer, transformer tout et n'importe quoi. Sur trois animaux, déjà, on en a deux qui sont omnivores. Ils savent manger de tout. Un ours, il mange du miel, il mange des fourmis, il mange du caribou, il mange des myrtilles. C'est un omnivore. Il a la capacité de transformer. D'accord ? Le singe, c'est pareil. Le chat est essentiellement carnivore. Et pour ceux qui ont un chat et qui ont une litière chez eux, surtout s'ils vivent dans un appart, cette odeur des selles du chat sont très piquantes, sont très acides. Pourquoi ? Parce que ces sucs digestifs sont très puissants pour transformer les choses. D'accord ? Donc la plupart des grands carnivores, le lion, le tigre, etc., tous ces animaux portent énormément de pitta en eux. Pourquoi ? Parce que leur race leur demande un effort de transformation puissant. Et le pitta est quelqu'un qui transforme. C'est quelqu'un qui aime les beaux vêtements. C'est quelqu'un qui est assez idéaliste, qui est très protecteur, qui déteste l'injustice, qui est aussi un grand idéaliste et qui aime les belles choses. Donc je vous ai mis Marilyn Monroe. Voilà, c'est une femme qui a vécu assez intensément sa vie, qui aimait les hommes avec la richesse, la puissance, qui aimait se mettre en scène, qui savait jouer de ses atouts, de sa beauté, et qui reste aujourd'hui encore un sexe symbole, même si ça fait plusieurs décennies qu'elle n'est plus de ce monde. Donc tout ça pour vous donner une idée de ce que le pitta peut transporter. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas de sa faute. Si vous avez un pitta autour de vous, et qu'il essaye de dominer un peu en conversation, d'imposer ses idées, qu'il essaye de superviser les choses, qu'il essaye de diriger les choses, c'est pas parce qu'il est méchant ou qu'il est bête ou qu'il n'a pas fait un travail sur soi, c'est que dans sa nature même, dans ses cellules même, okay, on a ces qualités-là qui créent une certaine dynamique au niveau du corps et de l'esprit et qui le poussent à se comporter d'une certaine manière. Donc l'Ayurveda, c'est aussi savoir comprendre soi-même, mais aussi les autres, pour savoir qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'on ne peut pas exiger ce qu'on s'exige à nous, aux autres. Et ce que les autres s'exigent à eux-mêmes, on ne peut pas l'exiger à nous. Puisque dans notre biologie, dans notre équilibre, nous sommes fondamentalement différents. Et la grande idée de l'humanité, c'est d'essayer de vivre tous ensemble. D'accord ? Donc l'Ayurveda aussi peut aider à ce niveau-là, à savoir essayer de comprendre qui est l'autre, pourquoi il se comporte comme ça. Hein ? Donc bien sûr, donc je ne l'ai pas fait sur Vata, mais je vais le faire sur Pitta. Là, je vous ai mis un ongle. Donc c'est pour savoir que ces qualités-là, chaud, pénétrant, etc., on le retrouve dans la constitution. Donc des gens avec un tempérament protecteur, actif, une aversion pour le chaud, vu qu'ils ont déjà très chaud. Ils ne vont pas se mettre 50 pulls, ils ne vont pas boire des tisanes toute la journée, ça n'intéresse pas trop le pitta. Il a plutôt envie de froid, de quelque chose qui adoucit, qui rafraîchit. D'accord ? La peau, généralement, est douce, assez brillante. Il transpire facilement parce que sa thermogénèse est très active, donc il régule sa température plus que les autres, plus facilement.
Et effectivement, il a certaines parties du corps qui vont aussi comporter toutes ces qualités et qui vont donner un aspect spécifique. Donc là, on a un ongle. Et l'ongle, il est généralement tendre, il est doux, il est soyeux au toucher. Donc quand vous allez voir un médecin en Ayurveda ou un thérapeute en Ayurveda, il va essayer d'analyser justement toutes les parties du corps pour essayer de vous faire comprendre qui vous êtes. Quels sont les éléments, quelle est la dynamique des gunas à l'intérieur de vous. D'accord? Des questions sur Pitta? C'est bon? Allez, on passe chez Kapha. Donc chez Kapha, on a une autre dynamique. Donc pareil, Kapha, c'est un paradigme entre l'élément eau et l'élément terre. Donc automatiquement, qu'est-ce qui caractérise ces éléments? Les qualités suivantes, le froid, le lourd, le stable, le huileux, le doux, le dense, le visqueux, le lent, le sucré. Toutes ces caractéristiques-là dénotent Kapha. D'accord? Il faut savoir que par exemple, si vous prenez de la terre et que vous mettez de l'eau, la terre va retenir l'eau. D'accord? Toute l'air qu'il y avait dans la terre va être remplacée par l'eau et ça va lui donner quelque chose de plus compact. Donc ce paradigme dans les lois de la nature entre l'eau et la terre va se caractériser par une force bioénergétique qu'on appelle Kapha. Et ce Kapha, les acharyas, les anciens acharyas de l'Ayurveda, ont symboliquement cité plusieurs animaux, dont le buffle d'eau, l'éléphant et le cygne. Qu'est-ce qui caractérise ces animaux? Bien sûr, les qualités qui sont là. Donc on a des animaux qui sont denses, d'accord? Quand on voit marcher un éléphant, quand on voit marcher un cygne, quand on voit marcher un buffle, on voit qu'il y a de la densité, il y a quelque chose de lent, il y a quelque chose de posé, d'accord? Dans la démarche, mais aussi dans la corpulence, dans la façon aussi de s'exprimer. Quand vous avez un cygne qui chante, même si ça reste un oiseau qui fait partie de l'élément air, le chant du cygne est très grave par rapport à celui d'un moineau ou d'un rossignol. Sa démarche aussi est très lourde. Son vol est très lourd. C'est un oiseau qui est massif. D'accord? L'éléphant, c'est pareil. Il grogne, il a du coffre et on l'entend. Pareil pour le buffle d'eau. Et on va retrouver ces mêmes caractéristiques chez les personnes. Les personnes qui ont du Kapha, généralement, ils ont du coffre. Même s'ils chuchotent, on les entend loin parce que ça résonne. C'est résonne, pourquoi? Parce qu'il y a du stable, du lourd. D'accord? Il y a ces qualités qui sont là dans les voix. De l'onctueux, du sucré. Les gros chanteurs d'opéra, quand vous prenez Pavarotti, quand vous prenez des Castafiore, c'est des hommes et des femmes qui ont du coffre. D'accord? Et un bon Kapha, généralement, est un bon chanteur. Les Kapha ont plus cette prédisposition pour chanter parce que leur caisse de résonance est naturellement développée. Et tout ça est donné par ce qui se passe au fin fond de la biologie, au fin fond des cellules. Il y a ce jeu des qualités qui vont donner une caractéristique à la personne. Donc on a des gens, pour faire très bref, hein, je ne vais pas me trop pencher sur le sujet, qui sont généralement massifs, attractifs, lents, des bons vivants, qui sont forts. Ils ont une voix qui ont du coffre, ils sont respectueux, ils sont constants dans leur humeur. C'est des gens qui sont vraiment, qui ont beaucoup d'amis ou peu d'amis, mais ils ont des amis pour la vie. Pour eux, la famille, par exemple. Le même phénomène qui se passe entre la terre et l'eau. La terre retient l'eau. Ce truc de cohésion, pour eux, la cohésion est importante. Donc la famille est importante. Les amis sont importantes, les relations sont importantes. Et je vous ai donné en exemple Ama, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est quelqu'un qui lit, qui embrasse, qui affectionne. Après, on pourrait parler de la personne en tant que telle, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle incarne, d'accord? Et dans son incarnation, elle incarne aussi les qualités qu'on retrouve dans ses animaux et surtout dans ses qualités. Et bien sûr, si encore une fois, on isole une partie du corps, on va reprendre un ongle, on a des ongles généralement épais, qui sont assez larges, qui sont gras, qui sont durs, et qui représentent Kapha Dosha. Après, pareil, on va prendre une langue,
On va prendre une peau, on va prendre des cheveux, on va prendre un œil, on va prendre des urines, on va prendre des selles. Tout ça va, entre autres, et d'une manière prédominante, comporter les qualités affichées pour Kapha Dosha. Donc nous, en tant que médecins en Ayurveda, on va essayer d'identifier ça. Quand une personne vient nous voir, on va essayer de comprendre quelle est la dynamique biologique au fin fond des cellules de la personne et comment on peut aider cette personne à s'équilibrer. Comment on peut l'aider à prendre conscience de qui elle est, de partir de ce point-là, pour rester en bonne santé, dans le swasta, dans l'équilibre du soi. Alors bien sûr, on n'a pas tous un dosha dans le corps. Les trois doshas sont présents. Mais en fonction de leur proportion dans le corps, on va avoir des personnes qui vont plutôt avoir une constitution monodoshique, où un dosha va dominer sur les deux autres, didoshique ou tridoshique. Didoshique, c'est-à-dire deux doshas vont dominer, ou tridoshique, les trois doshas vont dominer. Donc dans la salle, par exemple, il y a beaucoup de vata pitta, ou de pitta kapha, ou de kapha, ou de vata. Mais après, nous, en tant que thérapeute, on essaye aussi de voir, le degré des qualités au sein même de la constitution. Il va y avoir des kaphas, il va y avoir plus de froid. D'autres kaphas, il va y avoir plus d'onctuosité. Et en fonction de ça, les conseils qu'on va donner vont s'adapter à la personne. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu une introduction sur ce qu'est l'Ayurveda, qu'on a fait aussi une introduction sur l'importance de l'état du yoga dans l'origine, de ce qui a fait qu'à l'origine, on a décalqué les lois de la nature de l'univers, qu'on les a introspectées et qu'on les a ressorties sous la forme du yoga, de l'Ayurveda, pour mieux se comprendre et se comprendre en tant que personne centrale dans l'univers, en dialogue permanent avec l'univers. Donc il faut savoir que toutes ces qualités qu'on retrouve ici, qu'on a vues tout à l'heure, le liquide, le froid, le chaud, etc., tout ça, en se combinant les uns et les autres, vont donner toutes les substances de l'univers. Donc là, je vous ai mis par exemple des aliments, donc on a du citron, du café, des pâtes, mais aussi on a des émotions. On a aussi des endroits, et des saisons. Tout ça vont comporter des certaines qualités. D'accord ? Si on regarde l'hiver, là, on a du froid, on a du sec. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui, potentiellement, va aggraver. Vata dosha. Là, on a de la tristesse, on a de l'humidité, on a de la liquidité. La tristesse va, en partie, pas totalement, aggraver kapha dosha. D'accord ? Si on prend le citron, on a quelque chose, si vous imaginez mettre du citron en bouche. D'accord ? C'est acide, ça vous fait saliver. D'accord ? Donc il y a de la liquidité, il y a de la fluidité, il y a aussi de l'acidité, donc il y a un principe léger de chaleur. Donc il va soit normalement il n'aggrave ni vata, ni pitta, ni kapha. Mais s'il n'est pas mûr, c'est-à-dire que si on ne le prend pas dans sa saison, le citron, qu'il est trop acide, il va chauffer le corps. S'il chauffe le corps, il risque d'aggraver pitta dosha. S'il est dans sa saison, il pacifie vata, pitta, kapha et même le sang. D'accord ? Donc tout ça pour vous montrer quoi ? Alors, je vais parler aussi de la ville. Quand on est en ville, moi je ne suis pas de Paris, j'habite dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Pour moi, c'est très irritant la ville. C'est très sec. Il y a du 50 Hz de partout. D'accord ? Il y a de l'électricité, il y a des câbles, ça bouge, les gens bougent, sont dans leur mental. C'est quelque chose qui est très agitant, qui est très remuant, qui est très sec d'approche. La ville, naturellement, aggrave Vata Dosha. D'accord ? Donc tout ça pour comprendre que sur cette grille de lecture universelle des qualités, on peut pratiquement comprendre comment on dialogue avec des aliments, avec des saisons et avec des endroits. Et tout ça a son importance pour comprendre l'état du yoga et comment l'Ayurveda est sorti de cet état-là. Et pour ça, on va se faire un petit résumé
à cette, on va dire, on est aux deux tiers de la conférence, pour essayer de comprendre comment nous marchons, comment effectivement ces qualités nous affectent. On va prendre par exemple un ballon. Vous avez un ballon devant vous. Vos organes des sens vont repérer le ballon. D'accord ? Ce ballon va être repéré par un organe des sens, donc on va dire l'œil, qui va percevoir le ballon, qui va le retranscrire au mental, puisque c'est le mental qui va saisir au travers l'organe des sens l'objet. Il va l'amener dans l'intellect, et dans l'intellect, on va avoir tout un tas de choses, des conditionnements, l'éducation, notre culture, nos traditions, qui vont faire que pour nous, le ballon va rimer avec football, et pour quelqu'un qui n'a jamais vu de foot de sa vie, que c'est la première fois qu'il voit un ballon, ne va pas lui servir à grand-chose. Il va être plutôt étonné, etc. Tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'un objet se positionne face à un organe des sens, le mental le saisit, en fait l'expérience, et par rapport à notre conditionnement, notre éducation, notre culture, va nous donner deux voies spécifiques. Et ça, il va nous le donner au niveau des sensations. C'est-à-dire que si le ballon, on le prend comme quelque chose d'agréable, automatiquement, on va avoir des sensations agréables. Si on a une mauvaise expérience avec le ballon, qu'on a déjà glissé dessus, qu'on s'est fait mal, ou que, je sais pas, on a notre époux qui est fan de foot et qu'à chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde, c'est très difficile pour vous, mesdames, de supporter les râles reptiliennes de vos époux devant un jeu qui n'a pour vous absolument pas de sens. Ça va être d'autres types de sensations, d'accord ? Ces types de sensations vont bien sûr être interprétées comme agréables ou désagréables, de la même manière où on va dire moche, beau, bon, mauvais. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le phénomène de la dualité. Et dans cette dualité, on va contacter ce qu'on appelle en yoga les vritti, c'est-à-dire qu'on va actionner un schéma réactionnel. Ok ? Yoga, citta, vritti, nirodha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'état de cessation des schémas réactionnels, c'est ce qu'on appelle le yoga. L'état du yoga, pas le yoga, l'état du yoga, cet état d'union entre notre âme individuelle et l'âme universelle, entre prana et apanavayu, d'accord ? Donc à partir du moment où un objet, à cause de nos conditionnements, va nous donner des sensations, on va avoir soit du désir pour cet objet, mais plutôt pour les sensations que nous procure cet objet, d'accord ? Et on va tomber dans un schéma réactionnel. Si cet objet nous crée des sensations désagréables, automatiquement, on va réagir avec de l'aversion et on va tomber dans un autre type de schéma réactionnel. Tous ces schémas réactionnels vont faire écho à des mémoires, ce qu'on appelle des sankharas. Quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas en colère à cause de, voilà, votre enfant a fait tomber son verre par terre et l'a cassé. Cette colère va se relier à toutes les autres colères que vous avez expérimentées dans votre vie, dans votre passé et peut-être même vos vies passées. D'accord ? Donc tout vritti va vous mettre dans un schéma réactionnel qui va faire ressortir une certaine mémoire, une certaine empreinte d'une émotion, d'une sensation particulière dans le corps. Est-ce que vous me suivez toujours ? D'accord ? Ces mémoires-là, automatiquement, vont créer ce qu'on appelle de la souffrance. Et cette souffrance nous met dans le flot du samsara, du karma. C'est-à-dire que ces émotions qu'on a ressenties, ces sensations qui nous ont tant touchés, qui ont fait remonter des mémoires, elles nous connectent essentiellement à notre corps dans notre globalité physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, de connaissance, etc. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'un vritti ? Qu'est-ce qu'un schéma réactionnel ? D'accord ? Et qu'est-ce que l'état du yoga ? L'état du yoga, eh ben, c'est justement cette voie-là. Cette voie-là, qu'est-ce qu'elle dit ? À partir du moment où il y a sensation, à partir du moment où il y a réaction, il y a une voie de libération. Cette voie de libération, c'est de garder une conscience attentive sur ce qu'on est en train d'expérimenter, qui nous donne un certain type de sensation, et en restant
en observateur de ces sensations. On a ces sensations qui peuvent travailler comme un réel outil sur la conscience, nous permettre de développer l'équanimité, de détruire ces schémas réactionnels, de briser le schéma réactionnel et de développer ce qu'on appelle la sagesse. Et à partir du moment où on développe la sagesse, on commence à brûler les mémoires du corps, de ces schémas réactionnels. Ça, c'est l'état du yoga. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Ayurveda ? Ben, c'est la chose suivante, que toutes nos sensations dans le corps sont liées à l'expérience qu'on fait de qualité, qu'on va retrouver dans un aliment, qu'on va trouver dans une saison, qu'on va retrouver dans un endroit, qu'on va retrouver en relation avec d'autres personnes, quand on se met en relation avec d'autres personnes. Et toute la dynamique de l'Ayurveda et la définition même de l'Ayurveda, c'est que l'Ayurveda se définit comme hita hitam, c'est-à-dire quelle est la connaissance de ce qui est favorable, digne d'intérêt, et de ce qui ne l'est pas. D'une vie faite de bonheur ou de souffrance, de ce qui est bon ou mauvais pour soutenir la vie. Ces paramètres, ces mesures qui la définissent, sont décrits dans cette science de la vie qu'on appelle l'Ayurveda. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'Ayurveda vous permet de vous comprendre qui vous êtes. J'ai du vata, il y a du pitta, il y a du kapha. Donc la manière dont vous dialoguez avec votre environnement, la manière dont vous créez des vrittis avec votre espace. Et l'Ayurveda vous donne une grille de lecture qui vous permet de comprendre comment vous réagissez à votre environnement. Donc du coup, qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et surtout, des outils qui vous permettent de mesurer quand vous êtes dans un excès ou quand vous êtes dans un mauvais dosage ou dans une mauvaise saisie de votre environnement. C'est-à-dire que l'Ayurveda vous donne des clés de conscience. Avant d'être une science médicale, l'Ayurveda est un art de vivre. Et cet art de vivre, elle est tirée de ce qu'on appelle l'état du yoga. Et cet état du yoga, elle est partagée par ce qu'on appelle l'Ayurveda et le yoga en tant que discipline. Donc, vous avez peut-être compris à ce stade-là de la conférence que l'Ayurveda est une forme de yoga. On ne peut dissocier le yoga de l'Ayurveda, à part si on prend l'Ayurveda comme une science sèche, de livre, où on va appliquer des règles. Si vous appliquez des règles en Ayurveda, vous ne faites pas vraiment, selon moi, et ça c'est personnel, de l'Ayurveda. Quand vous amenez des clés de conscience à la personne qui vient vous voir et qui demande de l'Ayurveda, et que vous lui enseignez ces clés de conscience pour qu'elle soit mieux équilibré dans sa vie, là vous faites de l'Ayurveda. Là l'Ayurveda est un art de vivre, ce n'est pas un système médical. Il est devenu un système médical par défaut, parce que quand on déroge à ces clés de l'art de vivre, automatiquement on tombe malade. Et si on tombe malade, on a besoin d'une science médicale pour guérir des symptômes ou plutôt un désordre de terrain. Donc l'Ayurveda, ce que j'essaie de vous transmettre ce soir, c'est que plus qu'une science médicale, c'est un art de vivre. Et c'est un art de vivre qui naît de l'état du yoga et qui est partagé avec le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, ça c'est un shloka, donc c'est un verset qu'on trouve dans la Charaka Samhita, qui est un texte ancien sur l'Ayurveda, qui nous parle donc du yoga et qui dit... Dans l'état de yoga, d'unification au soi, et dans l'illumination, ce qu'on appelle moksha, toutes sensations dans leur mode répétitif, circulaire, sont annihilées. C'est-à-dire dans les vrittis, ce jeu des sensations, il est détruit dans l'état du yoga et dans moksha. Moksha est la cessation totale du jeu des sensations. Le yoga est ce qui cause cette sensation. Donc pour revenir à notre schéma là, quand on passe ici, on rentre dans l'état du yoga. Quand on passe ici, on rentre dans un cercle qu'on appelle un vritti, un schéma réactionnel qui crée des désordres, aussi bien au niveau physique que psychologique. Et donc du coup, on a deux outils extraordinaires qui sont le yoga et l'Ayurveda. Et le yoga et l'Ayurveda doivent être étudiés,
ensemble, développer ensemble. Et j'encourage tous les enseignants de yoga, toutes les écoles de yoga, de s'ouvrir à l'Ayurveda. C'est quelque chose de complémentaire. Et pour moi qui étudie beaucoup les textes sanscrits, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de trous dans les textes de yoga qui sont expliqués dans l'Ayurveda et vice-versa. Donc on voit que ce sont deux sciences jumelles qui sont ultra complémentaires. Alors, on revient à notre schéma de départ. Donc on a une grille de lecture qui est importante. On a une grille de lecture basée sur Vata, Pitta, Kapha pour l'Ayurveda et principalement, et Rajas, Tamas et Sattva pour l'esprit. Donc c'est ce qu'on va trouver plutôt dans le yoga. Mais il faut savoir qu'on retrouve Vata, Pitta, Kapha d'une certaine manière dans certains textes de yoga, comme le Hatha Yoga Pradipika par exemple. Et on retrouve aussi le Rajas, Tamas, Sattva dans beaucoup d'écrits d'Ayurveda. Donc c'est deux sciences complémentaires qui ont une grille de lecture similaire, sauf qu'il y en a une qui prend la porte du corps et une autre qui prend la porte de l'esprit. Mais dans sa jonction, c'est l'état du svasta, du soi, de la position du soi dans l'être, de l'équilibre du soi dans l'être, ce qu'on appelle la santé. Alors maintenant qu'on a compris qu'on avait une constitution, et cette constitution de base qui est héritée à notre naissance ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a la naissance et on l'a jusqu'à la mort. Par contre, il y a une fluctuation des doshas qui est quotidienne. C'est-à-dire en fonction de ce que vous mangez, en fonction de la saison, en fonction de votre âge, en fonction de vos émotions, de vos pensées, il va y avoir une fluctuation des doshas. Et on l'a vu, cette fluctuation va être liée aux qualités en présence à un endroit donné, à un moment donné. Et on peut diviser trois facteurs qui influencent ce qu'on appelle la vikruti, c'est-à-dire notre état actuel, qui est une notion de temps, d'espace et des comportements. D'accord ? Si par exemple, je mange une raclette, comportement, dans une saison qui est l'été, temps, dans un endroit qui est par exemple, on va dire, le bord de la mer, je vais avoir une mauvaise synchronicité, une mauvaise association d'un temps, d'un espace et d'un comportement qui va créer un déséquilibre. Si je mange par contre ma raclette, comportement, en hiver, après une bonne journée de ski en montagne, je risque de mieux assimiler ma raclette. Je me suis activé, mon feu digestif est fort. Le fait que ça soit l'hiver, il fait froid, mon feu digestif est encore plus fort. D'accord ? Et en plus, j'ai bougé la journée, j'ai fait du ski. Donc la raclette va mieux passer. Alors qu'en plein été au bord de la mer, il est pratiquement sûr que vous allez rentrer en indigestion. D'accord ? Donc c'est simplement pour vous illustrer le fait qu'on va chercher, nous, en tant que spécialistes en Ayurveda, mais surtout vous, en tant que personne qui s'éduque avec l'Ayurveda, à comprendre dans quel espace vous vivez, quelles sont les substances en présence et surtout quel comportement vous avez dans cet espace avec ces substances. Alors la grande question, c'est pourquoi tombons-nous malades ? La cause des maladies se trouve dans la conjonction corps-esprit qui est affectée de trois manières. La mauvaise utilisation, la non-utilisation et une excessive utilisation des organes des sens, de l'intellect et du temps. C'est en fait assez simple à comprendre. Par exemple, on prend le soleil. Le soleil est important pour nous, d'accord ? Si on l'utilise correctement, il va nourrir notre peau, il va sécréter de la vitamine D, il va y avoir aussi du prana, patin, couffin. Voilà, c'est une très bonne chose. Si on fait un abus du soleil, c'est-à-dire si au niveau du toucher, on va avoir un soleil qu'on fait l'écrevisse toute l'après-midi sur la plage, et que c'est une première exposition, on va se brûler. Mauvaise utilisation. D'accord ? La non-utilisation, sans soleil et sans lumière, voilà, c'est difficile, la vie. Enfin, ça n'existe pas même. D'accord ? Enfin, en tant qu'être humain, ce n'est pas possible. Et la mauvaise utilisation, c'est par exemple, au lieu de prendre un soleil du matin, et on va prendre un soleil entre midi et 14 heures. On s'expose au moment où le soleil est le plus puissant. D'accord ?
Donc en fait, la cause des maladies, c'est dans le non-respect, c'est dans le manque de lucidité, de savoir comment on va faire usage des choses. Soit on va faire un usage en excès, soit on ne va pas du tout en faire usage, ou soit on va le faire d'une mauvaise manière. Et ça conjugué à une notion d'intellect et du temps. Parce qu'après tout, de vous exposer en plein soleil entre midi et deux l'hiver, ça ne va pas être la même chose que vous exploiter entre midi et deux sur un soleil d'été. On est d'accord ? Donc ce critère de temps est important. Donc la mauvaise conjonction de l'intellect, donc de votre connaissance ou pas, par exemple, de l'Ayurveda et des lois de la nature, une mauvaise saisie au niveau des sens, où vous allez être soit dans un excès ou dans un mauvais comportement par rapport au temps, vont créer la maladie, vont créer le désordre. Et c'est parce que nous sommes ignorants sur ce point-là que nous tombons dans des irrégularités de vie et du coup que petit à petit on développe une maladie, une pathologie. Donc qu'est-ce qu'il est important de ramener là ? Une entité de conscience. C'est là où le yoga et l'état du yoga nous aident justement à être conscients dans notre quotidien, à savoir comment on se comporte avec la vie, comment on se comporte avec ce qu'on fait, et de prendre du coup les décisions qui s'imposent. Donc tout ça va créer le déséquilibre des doshas qu'on appelle Vikruti. C'est un déséquilibre du quotidien, mais un déséquilibre qui peut s'installer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc rien à voir avec la constitution. La constitution ne change pas. C'est votre étalonnage, votre manière de dialoguer avec la nature. C'est un équilibre, il n'y a pas besoin de le traiter. Alors que là, il y a besoin de faire quelque chose. Donc la racine de la souffrance, donc la maladie, est la non-connaissance du bon usage des objets par les sens, donc on vient de le voir, en temps et en action, et qui s'initie par l'instabilité de la mémoire, du discernement et de la volonté. Donc il y a trois choses qu'on développe dans le yoga. Di, Druti, Smruti. C'est-à-dire que par exemple, vous avez quelque chose sur la table, vous avez, on va prendre une tablette de chocolat, elle est sur la table. Vous savez que si vous prenez un carreau, ça va bien se passer, deux carreaux, voire trois, pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous allez en prendre trop, vous allez vous faire du mal. Et c'est là où il y a trois facteurs importants, la mémoire, le discernement et la volonté qui rentrent en compte. Vous avez du discernement, vous savez qu'en prenant un ou deux carreaux, ça va bien passer. Si c'est la moitié de la tablette, ça va mal se passer. Vous vous en rappelez, parce que la dernière fois que vous l'avez fait, vous avez eu mal au ventre. Et surtout, vous avez la volonté. La volonté de quoi ? Bah, de ne pas refaire la même erreur. Donc l'Ayurveda donne des choses très très simples. Di, Druti, Smruti. Vous avez la mémoire des choses, vous avez du discernement et vous avez la volonté. Si bien sûr, on va reprendre notre schéma là. Si bien sûr vous êtes dans l'ignorance, votre qualité de mémoire, votre qualité de discernement et de volonté est absent automatiquement. Vous tournez en boucle dans une machine à laver qu'on appelle les vrutti et constamment, vous réagissez. Et vous vous amenez à des mauvais comportements qui vont affecter votre corps et votre esprit et qui vont vous rendre malade. Est-ce que vous me suivez ? Je vous endors pas trop, ça va ? Alors, bien sûr, en Ayurveda, voilà. Donc, mémoire, discernement, volonté. Une fois qu'on a ça qui est en place, l'idée, puis on va parler un petit peu de yoga, c'est de comprendre qu'on a aussi des outils pour comprendre comment fonctionne notre esprit. À chaque fois que notre esprit va se déséquilibrer, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un changement dans le rythme de l'inspire et de l'expire. Donc ça, c'est un shloka qui est tiré du Hatha Yoga Pradipika. Chale vate, chalam. Chittam, ni chale, ni chalam, bavet. Là où va la respiration, va l'esprit. Là où va le prana, va l'esprit. Là où va l'esprit, va le prana. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de faire une faute sur les lois de la nature, votre mouvement respiratoire va changer. Est-ce que vous me suivez ? À partir du moment où votre mouvement respiratoire change, c'est tout simplement que
ce schéma-là est en route. C'est-à-dire que l'activité réactionnelle et le contact des mémoires anciennes commencent à faire ses méfaits sur le corps, sur votre intégrité corps-esprit. Donc l'Ayurveda vous donne des lois, des choses à respecter, à comprendre, puisque c'est quelque chose de dynamique, ce n'est pas quelque chose de figé. Et le yoga vous permet aussi d'avoir des outils concrets quand vous êtes dans l'ignorance des choses, à savoir, tiens, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui n'est pas normal. Alors bien sûr, pour que nous soyons des êtres en conscience, il faut que tout le système des nadis se nettoie. Et pour ça, tout ce qui est pranayama, asana, dhyana, pratyahara, tout ce qui est écrit dans l'ashtanga yoga doit être pratiqué. Donc ce prana ne peut circuler dans Sushumna si les nadis, donc les canaux de circulation, sont obstrués par des déchets. Donc bien sûr, là, encore une fois, on va faire soit appel à ce qu'on appelle les chatkriyas, donc les nettoyages yogiques du corps, Vamana, Basti, Kapalbhati, Naoli, etc. D'accord ? Ou on fait appel aussi à l'Ayurveda. On va prendre des tisanes épicées, on va changer son alimentation, on va essayer de mieux dormir, on va essayer d'avoir une hygiène de vie, ou derrière on va aussi avoir des traitements spécifiques qui vont nous aider à nettoyer notre système de conscience pour être plus en face avec nous-mêmes, être au présent et savoir si notre respiration change et si on n'est pas en train de se perturber en étant en mauvais contact avec nos sphères d'essence sur des substances qui vont déséquilibrer le corps ou des comportements qui déséquilibrent le corps. Donc dans ce verset-là du Hatha Yoga Pradipika, ils disent, si les nadis sont obstrués, comment on peut atteindre l'absence du mental, hein, ce qu'on appelle Unmani Bhava. Comment peut-on devenir accompli, parfait? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans ces textes anciens aussi du yoga, on commençait bien souvent le yoga avec des techniques de purification du corps et on commençait toujours au printemps ou à l'automne, dans des saisons qui étaient déjà dans une idée de nettoyage du corps. Et ça, c'est écrit dans les textes sanskrits. On ne commençait pas le yoga dans n'importe quelle saison et on ne commençait pas la pratique des asanas dans n'importe quelle condition du corps. C'est pour ça que on vous dit, vos enseignants, ou vous en tant qu'enseignant, vous dites à vos élèves, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on commence à faire monter l'énergie dans le système des nadis et qu'il y a des obstructions, le vata va perturber l'esprit, c'est une évidence. Et ça peut être délétère pour la santé du corps, l'équilibre du corps et de l'esprit. Encore une fois, l'Ayurveda et le yoga à utiliser ensemble est vraiment important. Donc l'Ayurveda a pour but de soigner la personne malade, mais surtout de garder les personnes en bonne santé, en santé. Ça va de soi. D'accord ? Donc pour ça, on a trois types de thérapie, ce qu'on appelle la pacification, shamana. Quand les doshas sont un petit peu aggravés dans le corps, on va essayer de les nettoyer. Et on va le faire avec des plantes médicinales, avec des ajustements d'hygiène de vie qui vont permettre au corps de lui-même s'ajuster avec les doshas et de revenir naturellement à l'équilibre. Puisque le corps, à la base, il est parfait et qui va toujours revenir dans un équilibre naturellement. D'accord ? Donc là, on va l'aider un petit peu avec la grille de lecture de l'Ayurveda. Quand les doshas sont trop aggravés, eh ben, on va utiliser des systèmes de purification. On va chasser les doshas du corps. On va faire vomir. On va faire des purges. Voilà, merci. Des lavements aussi, anal, rectal, etc. Tout ça est dans l'Ayurveda. Et bien sûr, on a aussi tout ce qui est prévention, préventif. D'accord ? On va aider les personnes à rester en bonne santé en les guidant. Et notre manière de faire, c'est de trois manières. Il y a trois types de traitements, ce qu'on appelle, bon, c'est un peu des noms un peu tordus, yukti via prachaya, c'est-à-dire toutes les thérapies qui font appel au physique, les plantes médicinales, l'alimentation, les purges, le panchakarma, etc. Toutes les thérapies qui vont s'occuper de l'esprit, Sattva Vajaya,
C'est-à-dire là, on va avoir effectivement le yoga et la méditation. On va aider la personne à mieux se comporter au niveau de l'esprit parce qu'on s'aperçoit que c'est là où la personne se décale, c'est là où elle est ignorante et c'est là où elle va une mauvaise saisie de son environnement. C'est là où elle va débloquer ses doshas et c'est là où on va avoir besoin de nettoyage, de lavement, etc. Donc là aussi, on a un traitement important et on a aussi ce qu'on appelle Devya Vyaprachaya, qui sont toutes les mesures spirituelles, on peut dire, qui s'occupent des causes liées à d'autres vies, ce qu'on appelle le Purva Janma. C'est-à-dire, on va aider la personne à supporter ses problèmes qui ont un certain temps, qui nécessitent un certain temps pour être finis. En Ayurveda, on part du principe que toutes les maladies ne sont pas guérissables par un Vaidya ou un médecin ayurvédique. L'effet du temps et de la vie aussi est important. Et parfois, on peut identifier certaines maladies qui ne peuvent pas être guéries autrement qu'avec le temps. Mais il faut savoir habiller ce temps. Il faut savoir que la personne, elle a envie de rester active dans ce temps. Elle a envie de sentir qu'elle maîtrise quand même quelque chose, qu'elle peut faire quelque chose. Et c'est là où on va, entre guillemets, l'occuper avec des rites, des rituels, des prières, des pèlerinages, peut-être des choses où elle va se développer en conscience. Elle va développer une introspection qui va lui permettre de toute manière, un peu plus tard, d'être plus forte dans son esprit, de faire moins de fautes et effectivement de ne pas tomber malade. Donc en prévention, en Ayurveda, on a énormément de choses. On parle d'alimentation, du sommeil, de l'activité sexuelle. On parle aussi des fonctions évacuatrices. On a un régime au quotidien à respecter, le régime des saisons, ce qu'on appelle Rutucharya, une hygiène de vie aussi pour la nuit, mais aussi tout ce qui tient au code éthique, au yoga, au pranayama, aux asanas. Toutes les techniques de yoga vont être utilisées justement pour stimuler ces espaces d'origine, ces espaces de conscience, de paix, qui nous permettent de mieux nous connaître et d'éviter d'aller au contact d'un désordre, d'un contact d'un déséquilibre. Donc il me reste 2 diapositives. On va faire un petit peu de pratique pour donner du sens à tout ça. Donc on a vu par rapport aux qualités, le jour, la nuit, l'âge, les saisons, le moment de la digestion a certaines qualités. D'accord ? Donc on va prendre par exemple... On va prendre celui qui est le plus évident, on va prendre Pitta. Donc Pitta dans le corps va s'aggraver naturellement au milieu de la journée, au milieu de la nuit. D'accord ? Donc souvent on trouve dans les bouquins 10h, 14h, 10h, 2h, c'est faux. C'est juste une idée. On se cale par rapport au lever ou au coucher du soleil. Que vous soyez au sud de la France ou en Finlande ou en Afrique ou au bord de l'équateur, ces horaires n'ont absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'à partir du lever du coucher du soleil, il y a toute une dynamique dans l'espace où le soleil va donner ses qualités, va donner sa puissance. La terre et ses éléments vont réagir en fonction. Et en fonction de ça, les doshas vont fluctuer au cours de la journée. Donc, aux alentours de midi, on va dire, Pitta va être haut. Pourquoi ? Parce que le soleil est haut dans le ciel et l'élément feu va être puissant. D'accord ? Donc, naturellement, si dans ces heures-là, vous avez certains symptômes qui ont tendance à se répéter encore et encore, ils sont certainement de nature Pitta. D'accord ? Pareil, au milieu de la nuit. Alors, pourquoi au milieu de la nuit ? Tout ce qui est meurtre, viol, vol, sont généralement faits dans ces heures-là. Pourquoi ? Parce qu'on a des esprits qui chauffent, qui s'échauffent. Et il y a besoin d'une soupape. C'est des gens qui, toute la journée, se retiennent. Et parce que dans l'environnement, les choses changent et se mettent en adéquation avec des qualités qu'ils ont d'ores et déjà, que le bol qui est déjà plein, la goutte fait déborder le vase. Et cette goutte, elle a cherché dans les qualités qu'il y a de notre environnement. D'accord ? De la même manière, il y a eu des études qui ont été faites par les centres Maharishi aux États-Unis qui ont montré que dans une ville où 4000 personnes méditaient chaque jour, et ils l'ont fait, je crois, pendant 40 jours, le niveau des meurtres, le niveau des viols, etc., dans la ville a diminué plus de moitié. Donc, toute influence de l'environnement va jouer sur les caractéristiques de la personne. En fonction de qui vous êtes, en fonction de ce qui est déréglé chez vous actuellement, l'environnement, c'est comme un scanner. Paf, 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 vous avez des qualités. Et à un moment, ça commence à dialoguer avec les qualités de l'environnement.
à cause de cet horaire spécifique, du fait que le soleil est haut, et vous allez répondre de ça. Consciemment ou inconsciemment, vous allez le faire. Sauf qu'à la différence, si vous êtes conscient, si vous développez l'état du yoga, si vous renforcez votre esprit, mémoire, discernement, volonté, vous allez éviter d'aller au contact, vous allez éviter de faire tourner ce schéma dans les vrutti, vous allez éviter de développer des samskaras, d'aller faire appel à des mémoires et de souffrir. Donc, milieu du jour, milieu de la nuit, à l'âge adulte, d'accord ? Donc, dans l'âge adulte, on est dans cette spécification, on s'individualise, on cherche un travail, on a une famille. Donc, on va sortir cet élément feu qui cisèle, qui caractérise la personne, d'accord ? Été, automne, donc l'été normal, la chaleur s'accumule. En automne, il y a une espèce de fraîcheur qui s'installe avec de l'humidité, de la liquidité. Donc on a vu que Pitta c'était haut feu, donc automatiquement en automne, la chaleur va déborder. Et puis dans la phase digestive du pylore, de l'intestin grêle, c'est-à-dire à peu près une heure et demie après l'ingestion des aliments, du fait que les sucs digestifs sont sécrétés, au niveau de la vésicule biliaire, du pancréas et du système de l'intestin grêle, le pitta va augmenter. C'est-à-dire dans votre digestion, à un moment donné, votre température du corps va augmenter légèrement. Vous allez peut-être transpirer un petit peu et vous allez avoir soif. Tout ça montre que pitta aussi est en train d'augmenter. Donc ce petit tableau, je ne vais pas le détailler parce qu'on prend déjà pas mal de temps. Mais simplement pour vous donner un exemple, que votre environnement joue sur vous en fonction de qui vous êtes. Et l'Ayurveda vous donne les clés de lecture pour ça. Et le yoga vous donne la capacité d'être plus en conscience là-dedans. L'Ayurveda, sans cet état de conscience, si on met juste des recettes, si on applique juste des tableaux, ce n'est pas de l'Ayurveda, ce n'est pas possible. Si on rajoute de la conscience, une science en conscience, avec un réel éveil aux qualités de notre environnement, de notre esprit, etc., on a vraiment quelque chose de ludique, on a vraiment un outil qu'on personnalise, qu'on intègre, et qui nous permet d'être responsable, qui nous permet d'être autonome, chacun d'entre nous. Voilà, donc je vais terminer ici, j'ai été beaucoup bavard. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh ben on peut le faire maintenant. Oui. Alors, devrait y avoir un autre micro. J'étais juste curieux, les études que vous avez faites. Les études en Inde, c'est 5 ans et demi. C'est une base. C'est ce qu'on appelle le BAMS, B-A-M-S, Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery. Donc c'est le diplôme qui est accrédité par le gouvernement indien et qui est le diplôme des médecins ayurvédiques aujourd'hui en Inde. Donc ce diplôme-là, il peut avoir aussi une spécialisation, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi d'études en plus où on passe un MD, un Medical Degree, sur une spécialité particulière. Qui peut être la chirurgie, qui peut être la pédiatrie, etc. Voilà. Et moi, j'ai fait le BAMS en Inde, mais j'ai été aussi initié traditionnellement avec mon maître dans le sud de l'Inde, notamment sur la prise de pouls et sur d'autres disciplines de l'Ayurveda. Voilà. Donc en fait, en France, on est sur les doigts d'une main. On n'est pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de médecin ayurvédique en France. On est très peu et c'est pour ça que bien souvent on fait venir des Indiens qui ont les mêmes diplômes que nous en France pour donner des consultations, etc. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu personnel, mais peut-être un nom d'une bonne université en Inde ou... Alors ça, les universités en Inde, c'est comme les centres de soins. C'est très délicat pour moi de donner une adresse parce qu'on ne sait jamais à quoi on s'attend. L'Inde, c'est un autre monde. Il faut y aller, il faut faire sa propre expérience. Et des fois, l'expérience est bien, bien, bien différente de ce qu'on s'imagine. Le gros problème, c'est qu'ici, et moi le premier, avant de partir en Inde, on a tout un idéal de l'Inde. Et on passe 1 à 2 ans à casser ses idéaux pour réellement se laisser toucher par l'Inde. Et quand on habite l'Inde, c'est différent de quand on y voyage. C'est un voyage encore beaucoup plus intense, beaucoup plus profond.
Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se déplacer. Si Bénarès nous saoule, on ne peut pas aller à Ampi. Non, on reste à un endroit, on doit faire avec. Et c'est tout. Donc en fait, on est obligé de décrocher tous ces idéaux de l'Inde et de l'Ayurveda et du yoga. Parce que moi, je pensais arriver en Inde, avoir tout le monde qui prend le pouls, des gens qui passent 2 heures avec vous en consultation. C'est faux. La première consultation que j'ai faite, c'était pour un petit champignon que j'avais à l'oreille. Et je suis allé voir donc un médecin ayurvédique, c'était ma première expérience. On m'a donné des antibiotiques et ça a duré 5 minutes, la consultation, c'est ça. Ma première consultation ayurvédique, c'était ça. Pas de poux, on ne regarde pas la langue, rien. Il faut savoir que le poux en Inde, quand vous êtes occidentaux, vous allez en Inde, le médecin, pour vous faire plaisir, va prendre le poux. Mais généralement, il ne sait pas le prendre. Il y a très peu de gens qui savent prendre le poux en Inde. Et les traditions de poux ont pratiquement toutes disparu. Après, les ouvrages de vulgarisation de l'Ayurveda en Europe qui ont été donnés par David Frolet, le docteur Vasandla, le docteur Svoboda, parlent du poux. Parce que eux, ça les a intéressés. Mais ça ne veut pas dire qu'en Inde, c'est populaire. Ça ne l'est pas. Dans mon université, par exemple, ils ont fait un jour un gros colloque sur ce qu'on appelle le Nadi Pariksha, donc la prise de poux. Et c'était un colloque, en fait, pour démonter le poux et les charlatans du poux. Et ce n'était pas pour essayer de faire quelque chose avec le poux. C'était pour plutôt rabaisser ça. Parce que maintenant, on est des médecins en Ayurveda, on est des docteurs en Ayurveda. Nous, on ne fait pas du charlatanisme. Le poux, c'est du charlatanisme. Ah oui, aller passer à une radiographie ou un scanner, ça, c'est de l'Ayurveda. Mais le poux, non. Donc voilà, vous êtes étonnés, mais c'est la réalité. Et c'est des idéaux qu'on apprend à casser. On est obligé. C'est pas autrement. Sinon, on ne peut pas s'ouvrir. Donc moi, j'ai renoncé à prendre le pouls. Et 2 ans avant de quitter l'Inde, j'ai enfin trouvé quelqu'un que j'attendais plus. Et voilà, j'ai pu étudier avec lui. Mais sinon... D'autres questions? Oui. Ah, je... Par rapport à votre tableau, est-ce que Vata, Pitta, Kapha, c'est lié à l'âge ou est-ce qu'on peut avoir une nature, quel que soit l'âge, plutôt Vata, Pitta, Kapha? En étant enfant et poupon, il y a une grosse influence de Kapha Dosha. Pourquoi? Si on regarde un enfant, un poupon, un nourrisson, il fait, ses forces, c'est de l'anabolisme. Il fait du tissu. Il est en pleine croissance. Donc, si vous voulez, les éléments eau et terre vont être plus dynamiques dans son corps. Mais si sa constitution est Vata, c'est Vata. Simplement que sur le premier niveau de la vie, c'est Kapha qui va être puissant. Donc en tant que médecin ayurvédique, on va prendre en compte ça. C'est pour ça qu'aux enfants, on ne va pas leur donner du mauvais sucre. Le sucre est anabolisant et va aggraver Kapha, par exemple. Aux enfants, si on commence à leur donner tout ce qui est sucré, tout ce qu'ils veulent, ils vont non seulement mal construire leur tissu, et plus tard, ça va leur donner des faiblesses qui vont pouvoir donner lieu ou un terrain favorable au développement de certaines maladies, plus qu'une autre. D'accord ? Donc on peut très bien être, oui, n'importe quoi, mais selon les horaires de la vie, comme de la saison ou comme de la digestion, va y avoir des influences particulières. Donc si vous êtes Kapha en constitution et que vous êtes un enfant, c'est plus délicat. Déjà, parce que l'influence de la nature va appuyer sur une constitution qui n'oppose rien du tout. Donc il va falloir être plus vigilant. D'accord ? Quelqu'un qui est d'ordre Pitta, il peut être en très bonne santé au début de sa vie. À partir du moment où il passe l'adolescence, qu'il commence à être un adulte, c'est là où il peut contracter énormément de maladies, hein, par exemple inflammatoires, etc. Pourquoi ? Parce que dans son âge, dans sa biologie, dans ses biorhythmes, Pitta va être influent, et du fait qu'il y a déjà quelque chose dans sa constitution, le dialogue s'établit puissamment, et derrière, il va falloir équilibrer fortement la personne pour qu'elle reste à l'équilibre dans sa constitution. Est-ce que vous comprenez mieux ? Oui ? Pardon ? Donc en fait, on a plusieurs outils pour diagnostiquer la constitution. Mais il faut savoir, moi personnellement, des maîtres que j'ai vus en Inde, enfin de ceux que je considère en tout cas comme des enseignants sérieux, ils ne donnaient jamais la constitution comme ça. Parce que, si vous voulez, il y a des milliers d'années,
quand on lit un texte sanskrit, les constitutions ont l'air d'être simples. Mais il faut savoir que tout le monde habitait au même endroit, mangeait les mêmes choses, faisait pratiquement les mêmes activités. C'était pas la même époque, c'était pas les mêmes moments. Aujourd'hui, on bouge, on est à un endroit, on vit à un autre endroit, on mange n'importe quoi, n'importe comment dans toutes les saisons. Donc derrière, pour aller gratter à savoir quel est le rythme biologique constitutionnel de la personne, c'est très très difficile. Donc souvent, c'est au fur et à mesure du traitement qu'on s'aperçoit de qui est la personne. Donc, encore une fois, les ouvrages de vulgarisation de la Ayurveda en Europe, c'est excellent. Mais encore une fois, on s'attache effectivement à la constitution alors qu'elle n'est pas le plus important pour nous. On doit comprendre déjà quels sont nos décalages, de les rééquilibrer et après de pouvoir donner la constitution à la personne et des outils d'entretien en conscience. Souvent les gens ils me demandent, mais moi je suis quoi ? Je dis, mais pour l'instant on ne va pas chercher ça du tout. Alors les personnes arrivent, ils ont mal au ventre, etc. Ils ne mâchent pas leur nourriture, ils ne savent pas quoi manger, ils dorment mal, etc. Mais ils veulent savoir à tout prix qui ils sont. Mais en fait on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est déjà de réguler tout ça, qu'ils fassent l'expérience d'un rééquilibrage concret et que derrière, on les invite effectivement à prendre conscience de qui ils sont intrinsèquement parlant et de les aider à acquérir des outils pour maintenir un équilibre. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de l'Ayurveda en conscience. On ne fait pas de l'Ayurveda robot. Vous venez, je vous donne votre constitution, tac, 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 je vous donne des pilules et ça dégage. C'est de l'éducation avant tout. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est ça que je fais le plus et qui, selon moi, est le plus important. Oui. Alors oui, ça, mais c'est normal. Il faut qu'ils vendent la chose. Quand on fait un massage, généralement, on essaie de trouver la constitution. Mais en Inde, on fait absolument pas ça. On essaie de comprendre où en est la personne. Si elle est en indigestion et qu'on la masse, c'est une erreur. On ne va pas le faire. On va dire, écoutez, madame, je suis désolé, vous venez à votre massage, vous êtes en indigestion, mais vaut mieux rentrer chez vous. Sinon, ça va mal se passer. D'accord ? Et le massage en Ayurveda, généralement, s'intègre dans un protocole thérapeutique. Il n'est pas séparé du soin. Alors, bien sûr, on a des massages relaxants où les gens vont... demande une relaxation, ce qui est ok, il n'y a pas de problème. Mais en Ayurveda, dans le système médical de l'Ayurveda, le massage s'intègre toujours dans un protocole thérapeutique où on prépare le corps, on a le soin particulier et derrière, on apprend à entretenir en fait cet équilibre. Voilà. Vous, il y avait votre question hein, déjà ? J'en ai une autre du coup, mais est-ce qu'on ne doit pas connaître la constitution, est-ce qu'on ne doit pas connaître notre constitution pour pouvoir se guérir ou pour pouvoir justement... Alors, il est effectivement important quand même de connaître sa constitution, mais elle n'est pas nécessaire pour se soigner ou se guérir, puisqu'on va chercher à savoir en premier où sont les décalages des doshas actuellement, parce que c'est eux qu'il faut réguler. Bien sûr, derrière, alors pas à notre niveau, mais en Ayurveda, on a des soins qui sont très puissants. Donc il faut connaître aussi la constitution. Parce que si on essaye de régler quelque chose d'actuel, mais qu'on va buter contre la constitution que l'a sollicité, ce n'est pas non plus un bon choix. Mais avant de connaître la constitution, on va essayer de réguler ce qu'on appelle la vikruti, les désordres actuels. Et après ça, une fois que la personne sera en équilibre, on va réellement l'éduquer sur sa constitution et comment rester en équilibre sur cette constitution-là. En tout cas, c'est ma manière de comprendre l'Ayurveda et de l'appliquer. Tout le monde ne fait pas comme ça, et ça ne veut pas dire que c'est moins bien, mais voilà, je préfère être dans l'éducation et qu'on parle de constitution à partir du moment où on est en équilibre. Sinon, ça embrouille l'esprit pour moi plus qu'autre chose. Je dis, ah ouais, je suis Pitta, donc je dois faire ci, ça, ça. Non. Déjà, vous allez mâcher correctement, vous allez faire des repas à heure fixe. Au lieu de vous coucher à minuit, bah, vous couchez peut-être à 10 heures. Et après, on reparle de ça. Ça ne sert à rien d'aller pinailler, de savoir si la tomate est bonne pour vous ou pas. De toute façon, vous ne la mâchez pas bien. Vous ne la digérez pas bien. Il y a trop d'amas. Donc, ça ne sert à rien que je vous briefe sur la tomate en détail. Parce que ça, c'est typique de nos sociétés actuelles où on va aller chercher l'erreur ailleurs.
Donc on va dire, ah bah oui, ça c'est la faute du gluten ou c'est la faute de ça. Mais c'est surtout dans le comment on fait les choses. Mais de réguler les choses dans le comment, ça demande un effort à la personne. Et ça, il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. C'est ce que je vous disais, dit druti smruti. Discernement, volonté et mémoire. D'accord ? Et c'est là où est, la, pour moi, de poser la conscience dans l'Ayurveda et de travailler sur ce point-là est essentiel. Parce qu'après, aller pinailler à savoir si la noix de pécan et les raisins secs sont bons pour moi ou pas, si on ne les mâche pas bien, si on n'a pas une mauvaise si on a une mauvaise digestion, si on ne dort pas bien, si on n'est pas équilibré, de toute manière, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va être de toute manière mauvais. Donc il y a des choses dans le comment qui sont à réguler en premier. Et ça, ça demande de la conscience. Yoga, yoga, yoga. Ouais. Oui, merci pour votre conférence, très intéressante. Cependant, oui, je suis étonnée du fait qu'on a l'impression, en vous écoutant, que si on respecte certaines choses, on serait éternel quelque part, en caricaturant. Alors, je veux dire que la vie, il y a quand même des mystères qu'on explique partout, et heureusement, et il n'y a pas forcément toujours de cause à effet. On sait maintenant que les cancers de l'estomac étaient liés à une mauvaise exploitation à un moment donné de la chaîne du froid. Donc, vous voyez, là, c'est bien que l'Ayurveda améliore, mais on va tous mourir, et la plupart du temps, de maladies. Alors oui et non. En Ayurveda, le premier chapitre de la plupart des textes sont un adage à la longue vie. C'est-à-dire qu'en Ayurveda et en Inde, à cette époque, on mourait à 100 ans. C'était la moyenne d'âge. Et ils définissaient une bonne vie et une longue vie à 100 ans. Ah bien sûr, ils savaient compter. Ah si, dans les Védas, ils avaient la notion du 0, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils avaient compté la distance entre le soleil et la terre et la lune, quelques siècles avant les Grecs et les Égyptiens. Donc ils savaient compter, bien sûr. Et donc, l'idée de l'Ayurveda, c'est de pas nécessairement être éternel. On est éternel dans la connaissance, puisque la connaissance, dans ce qu'on peut toucher dans son essence, elle est éternelle, elle ne change pas. Si je prends ça, je fais ça, il tombera toujours. D'accord ? Donc ça ne change pas. Et c'est éternel. Donc ça, c'est la science de l'Ayurveda, elle est éternelle. Pas de début, pas de fin. Qu'il y ait des hommes ou pas, elle est là, de toute manière. Le feu brûle, l'eau mouille, qu'il y ait des hommes ou pas, c'est la même chose. Première chose. Deuxième chose, on ne recherche pas à avoir un corps éternel, on recherche à mourir en bonne santé. Le fait qu'on meure de maladie aujourd'hui sont le résultat, en grande partie, d'une société qui est malade, qui a des rythmes qui ne sont pas naturels, où on ne nous éduque pas sur ce qui est naturel pour nous et qui nous amène à la maladie. D'accord ? Dans votre exemple du cancer de l'estomac lié à la chaîne du froid, on retourne dans exactement ce que j'ai expliqué, qui est là, dans notre petit schéma ici. La chaîne de froid est perdue. Certaines qualités vont se transformer dans la nourriture et vont faire que notre système d'intégration, notre feu digestif va être perturbé. Et cette perturbation va certainement changer la conception du tissu et créer une tumeur. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on meurt tous d'une maladie. À l'époque, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous programmés pour mourir d'une maladie. Si on respecte l'Ayurveda, on espère mourir en bonne santé. Et c'est ça l'idée en fait des choses. Mais pour ça, il faut respecter des rites, il faut respecter une certaine manière de s'alimenter, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et on peut faire les erreurs. Et l'Ayurveda apprend à corriger ses erreurs. Mais après, on est libre chacun de faire ce qu'on a envie. On peut faire des erreurs, c'est pas grave. On a les moyens de la corriger. On peut décider de le faire ou pas. Ça, c'est entre vos mains. Salut. Question ? Alors moi, je voudrais savoir, au niveau des consultations, la durée d'une consultation,
le rythme, c'est-à-dire combien de consultations par mois? Alors, bah, moi, je vais pouvoir vous donner ce que je fais, moi, parce que tout le monde ne fait pas pareil. Donc, généralement, je fais une première consultation qui dure 1h30, des fois 2h, ça dépend comment on discute. Et lors de cette première consultation, on dresse un espèce de bilan. Et sur ce bilan, on va voir quelles sont les choses à corriger et je commence une éducation de la personne. À partir de ce moment-là, on décide de se revoir au bout de 6 semaines, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, en fonction du problème. Donc ça, il n'y a pas de... Si vous voulez, je n'ai pas de règles spécifiques. C'est en fonction de la première consultation. Et mon idée, c'est que la personne s'autonomise le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, généralement, au bout d'un an, 1 an et demi, quand on s'est vu 3-4 fois, et que les problèmes n'étaient pas vraiment graves, on va dire, ou difficiles, eh ben, on ne se revoit plus. Et c'est touchant, parce que ben, j'ai eu la dernière fois, j'ai eu une personne que j'ai suivie pendant 2 ans, qui ne vient plus, qui m'a dit, bah voilà, je suis bien. Donc j'ai dit, bah, c'est super. Elle est capable de s'autonomiser dans sa propre vie. Et c'est génial. Mon but, c'est ça. Mon but, c'est pas faire des addicts à mes consultations. C'est vraiment leur donner des clés de conscience et qu'après, ils continuent le travail. Et si c'est pas avec moi, c'est pas grave. Ça peut être avec un ostéo, un naturo, un médecin chinois. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, les patients me disent, c'est super, j'ai guéri de ça. Ah, mais avant, j'avais vu un naturopathe, je dis, mais personne n'est à blâmer dans l'histoire. Vous avez fait un certain travail qui vous a amené à un certain niveau. Moi, j'arrive en fin de chaîne, je vous aide d'une certaine manière, et c'est vous, en fait, le guérisseur là-dedans. Nous, on est là pour vous aider un petit peu à droite, un petit peu à gauche, vous mettre dans un certain chemin, mais c'est vous qui faites le travail. Donc, je considère aussi mes consultations comme un dialogue aussi. J'ai d'autres collègues qui sont ostéos, j'ai d'autres collègues qui sont médecins chinois ou même psychologues, médecins allopathes, et avec qui je travaille parce que je n'ai pas toutes les clés en main. J'ai mes limitations, donc aussi bien dans la science telle que je la comprends moi, mais j'ai une limitation aussi en tant qu'être humain. Voilà, il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc on n'est pas fait pour tout le monde. Et ça aussi, c'est à l'intelligence du thérapeute de guider les gens là où c'est peut-être plus intéressant pour eux d'aller. Ok ? Voilà. On fait une dernière question. Non, on fait une dernière question. Merci. Je voulais juste savoir pour finir quelles sont les aggravations du moment et comment on peut vivre notre automne au mieux. Merci. Donc l'aggravation du moment, donc on est dans la saison d'automne. En saison d'automne, on a 2 doshas qui montent. On a Pitta, premièrement, et Vata, secondairement. Dans l'intersaison, Vata était plus puissant. Maintenant, il commence à se stabiliser. Donc il y a un trop-plein de chaleur dans les tissus périphériques liés à l'été, puisque l'été a dilaté la circulation. Les toxines ont migré en périphérie. Là, avec le froid, il y a une constriction. Toutes ces toxines viennent vers l'intestin. C'est pour ça qu'on a des pathologies inflammatoires, genre tout ce qui est gastrite, gastro-entérite, où le corps, lui, il essaye de chasser cette chaleur vers le bas et de s'en départir. Tout ce qui est inflammatoire, sinusite, laryngite, etc., etc. Donc on va essayer de refroidir le corps sans abaisser le feu digestif. Donc nous, traditionnellement, chez nous, et là je vais donner cet exemple parce qu'il est intéressant, c'est la fameuse cure de raisin. Donc le raisin en Ayurveda, il est froid, il est sucré, il va avoir pour but de nettoyer le corps. Donc toute la chaleur qui s'est accumulée au niveau du ventre et qui doit être évacué, on va l'aider avec cette cure de raisin. Donc on va opposer avec le sucré et le froid à la chaleur acide, piquante accumulée dans l'intestin, et les vertus laxatives aussi du raisin vont aider à éliminer. Donc en fait, dans cette saison-là, on est dans une saison d'élimination, mais cette élimination doit être douce.
dans le sens où il ne faut pas qu'elle contrarie trop le système digestif. Donc on prend des laxatifs doux, ça peut être du raisin, ça peut être du psyllium, ça peut être des monodiètes pour un peu lâcher l'intestin. Des cures, par exemple, de pommes cuites aussi peuvent être intéressantes. Et on va avoir tendance à équilibrer le corps avec des goûts plutôt amers, sucrés, légèrement acides. D'accord ? Donc on le retrouve dans la nature, le potimarron, la courge, tout ça, c'est sucré, c'est un peu onctueux. Tout ça rafraîchit le corps, fait sortir la chaleur du corps. D'accord ? Raisin, pareil. Qu'est-ce que vous allez voir ? L'utilisation du ghee va être intéressant dans votre riz, dans vos plats cuisinés, etc., de rajouter un petit peu de ghee. Peut-être le prendre le matin avec un verre d'eau chaude. Vous prenez une ou deux cuillères à café de ghee fondu, vous avalez ça à jeun le matin et vous passez un petit peu d'eau chaude derrière pour onctuosifier le corps et surtout équilibrer Pitta Dosha. Couchez-vous plus tôt que d'habitude, vers 10h maximum. Levez-vous vers 6h30, 7h. C'est une idée, hein. Là, on me demande pour l'automne, donc je fais quelque chose de général, mais chacun d'entre vous, ça peut être différent. Et puis, surtout, y a un côté d'introspection qui est important. C'est-à-dire, au niveau du yoga, c'est une saison, donc la sadhana, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une sadhana, donc d'élaborer, on va dire, une routine, une habitude au niveau du yoga, c'est important dans cette saison-là, puisque le corps se nettoie naturellement, à différents niveaux, et il faut l'aider. Et il n'y a rien de mieux que l'introspection pour ça. Méditation, yoga, asana, et puis c'est un peu le moment de faire le bilan de l'année, même si nous on a tendance à le faire en hiver, c'est maintenant que ça se passe. Toute l'énergie revient sous terre, donc l'énergie revient au centre, le feu digestif va monter, il va être assez agressif, donc avec le sucré, il va falloir bien gérer. Les fruits les plus sucrés, c'est maintenant pommes, poires, raisins. On commence à avoir les premiers kakis, un petit peu de kiwi. Voilà, c'est maintenant, il faut en profiter, vraiment. Ouais. Ok, on finit là. Je vous remercie.